Thank you so much. Now, c'est qui classe encore? C'est qui classe? Ok, la classe première année fondamentale qui se chantait créole, français, anglais. C'est-à-dire si tout le monde s'en plus, aide dans leur formation pour nous supporter parents à payer et pour nous travailler plus bien. Nous sommes ça belle. Et puis nous féliciter les professeurs. Les professeurs sont plus forts que professeur, artiste, tout. Wow. Vous voyez mes frères et sœurs, mais des belles professeurs, Timounio qui est dans mes c'est comme maman Timounio qui est là. Alors nous féliciter mes professeurs, même temps artistes et puis où? Chanteuse. Ou chanteuse tout? J'essaie d'écrire et chanter en même temps. Mes aïeux. Alors mes frères et sœurs, c'était tout pour un bel moment débat avec l'école Gapsali qui est en Fort Liberté. Et nous, si vous souhaitez chanter, nous battons bravo pour vous depuis quel que soit côté nous. Que bon Dieu bénisse nous. Bonjour, bonsoir, bon Dieu bénisse nous. Je dis à Radio Télé Pays Vivant arrivé dans Fort Liberté et côté nous gain avec nous les pères Montfortin. Nous gain comme directeur l'école accompagné d'un pasteur qui c'est le révérend père Étienne. Je dis à Radio Télé Pays Vivant à visiter côté que gagne des petits monde l'école qui besoin en pile aide. Nous dans Gatsaline en dans Fort Liberté. Alors, demandez-nous pour nous capables de prêter attention pour côté nous pour présenter nous tout à l'heure le révérend père Étienne, yon Montfortin, yon bon partenaire Pennisley, yon même congrégation avec le révérend Pennisley. C'est-à-dire nous capables de dire Radio TV Vivant, à Jean Bouquet, accompagné tout prêt Montfortin yo, parce que nous connaissons le père de Montfort a une belle mission sous terre ça à aider les plus petits. Et c'est ça nous-mêmes, nous venons essayer de faire pour nous capables d'aider et supporter les plus petits. Nous avons sur nous tout à l'heure, bah nous quelques secondes, prenons chez vous pour chita, relevez pour nous capables d'entendre comment ça y est dans Gatsaline, en dans Fort Liberté. Bon Dieu bénis nous. Chamier, nous tournons sur nous encore une fois pour nous capables de parler de Gatsaline dans Fort Liberté. Bon, nous connaissons moi-même, Frère Guigui, nous pas réellement connaissons un peu le bagaille. Mais nous avons avec nous, c'est là qui est responsable, qui c'est le révérend Père Étienne, c'est lui-même qui m'a parlé de nous tout à l'heure, qui c'est un prêtre Montfortin pour capable aider les gens qui sont plus petits. On nous écoute côté que le révérend Père Étienne, Montfortin pour l'expliquer nous, pour le présenter tête li d'abord et pour l'expliquer nous comment ça y est dans Gatsaline en dans Fort Liberté et qui parle un petit peu parler nous tout de comment ça a déroulé pour l'école pour capable aider tout le monde dans Gatsaline pour capable avancer de l'avant. On nous écoute le révérend Père Étienne. Père Étienne, bonjour, bonsoir, comment vous? Bonjour Père Guigui. Nous bien content matin accueilli télévision Père Vivant dans la cour l'école et Gatsaline l'école Père Pierre Rigaud Père Roger Schmitt et son école côté fidèle paroisse Sainte-Brigitte particulièrement les amis de Montfort et aider dans construction et en même temps tout et groupe qui te baille tout qui te baille coûte, mais particulièrement Frère Guigui, pour que ça vienne tourner, ça nous est là qui peut confiner. Mais tout le monde veut dire un merci spécial, et c'est grâce à lui que le reportage ça est possible. C'est Frère Nesli, c'est Père Nesli, qui travaille en pile et qui porte le projet ça. Je ne vais pas dire que c'est tout. Lui-même qui prend projet ça et tout cœur. Je dis merci. Nous, Gatsaline, c'est un quartier que lui. Ce n'est pas même une section communale.
Mais ce quartier qui est spécial, qui, regardez la prière, vous avez pensé qu'il y a un pile pauvreté, de fait de pauvreté, mais qui est chargé avec richesse. Pour richesse Gad Saline, c'est population, c'est Timonio. Timonio, le regardez, vous êtes capable d'évaluer à 60% de population. Et nous connaissons, première richesse, c'est l'homme. Et premier investissement pour faire dans le monde, c'est l'éducation. Et c'est ça que nous avons fait là. Et je pense que ça n'a fait, nous pas capable de vivre faire sans nous. Et je voulais parler nous, de difficultés que nous-mêmes, nous avons pour nous porter ou bien pour nous réaliser le projet. Ça. Si nous regardons bien, l'école là, nous vivons dans une phase côté pour nous couler le béton, mais le problème de l'argent vient de faire que nous ne sommes pas capables de couler. Mais nous sommes obligés de couler bien vite tout. Parce que nous en face dans la main, si nous n'avons pas fait ça, malgré nous protéger avec minimum, nous sommes capables de recevoir le béton et nous avons gagné celle dans la main qui a attaqué. Puis nous avons pris le bloc sanitaire, lui-même qui pas trop loin, et bloc sanitaire lui obligé nous camper. Problème l'argent encore. Mais son bloc sanitaire qui est spécial. Le, nous avons fait zoom sur lui, puis prenons après ça. Nous avons c'est toute défécation. Nous avons utilisé nos premiers temps pour nous faire compost. Mais nous avons commencé ce projet ça, qui est un gros projet qui a 8 composantes. Nous n'avons pas parlé de ça. Nous avons utilisé défécation pour que nous soyons capables de produire gaz pour faire manger et nous soyons capables de produire électricité tout pour que les récailles, même gens. Nous tournons pour nous continuer. Nous avons continué, ça nous a dit sur le bloc sanitaire. Et défécation, nous avons utilisé les toilettes là. Il a pris le service pour produire gaz, pour produire courant électrique. Mais nous avons pour nous faire tout, mais ce n'est pas pour hier. Mais dans l'immédiat, depuis le fini, c'est pour nous faire compost. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bétonnés, qui ont dit ça, Père Abdila, on va comme ça, c'est jeter puis jeter. Mais non, c'est un bagage que je m'apprends dans ce Songaï Bénin qui nous capable de faire ici, là tout, parce que il y a une possibilité avec ce ça pour nous transformer la zone. Je voulais dire nous tous qui a écouté et qui a regardé, merci pour l'aide que nous avons. Et particulièrement les amis du foyer, si c'est grâce à eux, porte que nous voyons là, c'est grâce à eux, et vite que nous voyons là, c'est grâce à eux, fait forger nous, ils fait, bien que nous pouvons fin payer. Je voulais dire tout le monde qui est capable d'aider pour que l'œuvre ça avance, qui est capable de bénéficier, qui porte projet ça, j'aime dire nous. Dans tout lui-même et nous capables ouais, les amis fidèles de Montfort qui chaque mois vous voyez $500 américains et nous capables dit nous capables ouais, les amis du foyer et tout membres pour comment nous capables aider œuvre ça pour avancer yon n'a plus gros investissement c'est dans le monde nous pensons que nous capables aider nous faire investissement ça et nous capables fait un bagage qui allait au-delà de l'existence. Non. Travail ça, ce n'est pas moi seul qui fait, c'est une équipe. Et c'est peut-être ça, nous allons passer, nous, pasteur et Eric Pierre, lui-même qui est responsable de l'école 3e cycle dans Gad Saline. Merci en pile et comptez sur la contribution que mon de bonne volonté est capable de faire pour faire le projet avancer. Encore une fois, encore merci et merci à Radio, télévision et Pain Vivant. Grand-père Étienne qui est censé responsable
et l'école ça qui est dans Gare Saline qui est dans Fort Liberté. Et nous voyons comment qu'ils sont racontés nous les étapes là. Et en réalité que gagner de Pennisley qui c'est un bon pasteur que nous gagnons dans Westbury que nous remet en pile. Moi connais nous remet Pennisley en pile. Là. Alors c'est Pennisley en premier qui campait dans New York pour aider nous à avancer avec l'école ça. Et nous avons les amis du foyer et les amis de Montfort qui vraiment bail aide YouTube pour nous être capable mettre fenêtre radio télé vivant et nous bail ça nous cabaille. Ça nous cabaille. Vous comprenez? Ça nous cabaille pour que fenêtre yo mettez, porte yo mettez et jusqu'à présent fenêtre l'école yo pour qu'on fin payer, porte l'école yo pour qu'on fin payer et nous connaît l'ouvrier qui travaille mérite son salaire et pas besoin de parler l'homme travaille pour capable. Alors nous juste à présenter nos projets ça nous même pour nous connaître comment que ça a déroulé dans le pays de Haïti, en dedans Fort Liberté, dans Gare Saline. Et qu'on y a, nous allons présenter nous, pasteur, qui l'a avec Père pour avancement Timoun yo en dedans l'école ça. C'est-à-dire qui a vraiment besoin de concours nous et aide nous. On nous accueille pasteur qui va parler avec nous. Comment y est pasteur? Très bien, Dieu merci. Bon Dieu béni. Bon alors, nous sommes avec nous, Konya. Pasteur, pour présenter tête li, pour Maxime yo, et qui peut parler un petit peu, comment ça a déroulé pour l'école là. Parlez, peuple bon Dieu, à où et parlez, peuple bon Dieu, comment ça a déroulé pour l'école là, Timounio et professeur. Merci. Merci. Moi, salue très fort tous les amis Radio Télé Ben Vivant, et qui a écouté nous, Konya. Non moins, c'est pasteur Éric Sépierre, c'est pasteur Église Baptiste de Gare Saline. Donc, Jean-Père Étienne saute expliquer, Gare Saline, c'est une zone qui gagne en pile potentiel, mais c'est comme ça tout, c'est une zone qui gagne en pile difficulté dans les affaires économiques. Donc, parents dans la communauté, ça, en pile, ils ont manifesté grande volonté pour qu'ils soient capables de faire éducation petite. Mais faute moyen fait que en pile fois si moun yo commencé yo pas gen possibilité pour terminer très souvent en pile nan yo quitté l'école pour aller Saint-Domingue son façon pour que yo joine manger et pour yo capable et bien d'ava di survivre donc ça fait zone nan jusqu'à présent nous ta capable di et ces situations si la yo que li a fait face avec li donc nan sans ça nous pouvons constater que ça fait longtemps et zone j'aime ta dire là il existait mais c'est très petit monde qui joue une possibilité pour que yo rive terminer avec l'école yo suite avec question moyen que nous a parlé là donc nous gagnons troisième cycle eh bien l'école là qui a pu fonctionner ici là donc jusqu'à présent nous capable dire en pile dans timoun yo vini mais on parle très souvent yo gen difficulté pour que yo joine moyen pour que yo capable payer scolarité yo plusieurs autres gen difficulté pour que yo même joine eh bien m'ta va di souliers chaussures pour mettre sou yo eh bien pour yo vinn l'école là eh bien suite avec difficulté que nous a parlé là yo en pile l'autre vini mais on parle que yo parle gagner difficulté également pour que yo joine eh bien et moyen pour yo acheter livre pour yo venir l'école là donc tout ça yo c'est un ensemble de problèmes que communauté a fait face ensemble avec lui et suite avec situation si la yo nous solliciter auprès de toutes amis toutes frères et bien t'ava dit qui a travaillé dans question humanité capable porter la main fort by Père Étienne par rapport avec gros projet que lui gagne dans communauté a et déjà nous d'accord pour que nous collaborer ensemble avec lui pour aider communauté à avancer. Là, c'est chantier bloc sanitaire qui est un petit spécial, nous avons dit qu'il est écologique. Là, c'est la pral gondoum, il y a pour recevoir pour vous et pour pouvoir après le gain rip, après le gain paille du riz et il y a après le ramasser chaque jour, il y a mettre au nom sac et puis après le déposer dans l'espace qui est réservé pour être capable de tourner ça où il est en grès. Et là, nous commençons à développer totalement. Nous après le point même et défécation ça, nous après le faire tourner à la fois
gaz, courant électrique, et nous après le faire tourner en grès. C'est ça qui est là, ça c'est bloc mesdames. Et l'autre bois, c'est toilette. Si vous avez besoin, c'est là, et toilette après le faire. Non, c'est un bail qui après le fait. Qui après le béton qui a coulé sous lui. Et avec le temps, en l'air, nous avons construit pour capable de mettre les gens qui viennent travailler pour être capable de loger. Par exemple, il y a ces professeurs et l'autre monde, en attendant, nous faisons toute construction. C'est ça. En quelque sorte, c'est comme ça. Si nous sommes capables de contribuer pour. Ça a fini. Ne serait-ce que couler béton, mettre porte et acheter bouche lavabo, bouche toilette. Et nous déjà dit non merci. Et son nécessité parce que c'est dans la rage, si on est obligé d'aller dans la toilette. Ce n'est pas faute, non. C'est parce que c'est une promesse d'aide, il n'est pas matérialisé. Et c'est ça qui fait que nous arrivons là à côté de la rivière. Ok, merci encore. Et puis un bon jour, monsieur dit, maintenant c'est vagabondage, je pense à qui ça dit. Il dit, moi ça, c'est pas l'école qui fait mon grand nègre. Il prend exemple sur mon marchand de bolette, côté, il vivait sans qu'il batte l'école. Il dit, c'est pas l'école qui fait mon grand nègre. On a vu là, préparer sur l'école, il parle l'école, et puis ça, on est privé. Il tombe dans le vagabondage, il vient dans les Port-au-Prince, et puis là, il a un groupe d'amis, dans ceci, dans cela, et puis il tombe dans le kidnapping. Pour un sacré monnaie, tout le monde peut m'apprendre qui s'arrive dans la prison de mourir. Nous avons dit, dans la prison de mourir. Alors, des votes sont à faire. Si il ne faut pas qu'il y ait dans l'école pour arriver dans son réel, c'est dans l'ordre qui va y avoir tombé, c'est lié à la vie. Vous entendez? Moi-même, je ne pas assez encore. Même, je fais environ, avant de quitter le pays d'Haïti, je fais environ 13 ans d'enseignement, je commence les mathématiques, physique de 3e à philo dans le lycée Paul-Bert. De 86 jusqu'à 99. Même pour un sacré l'enseignement, pour un sacré l'élève. Quand on est dans la salle de la porte, on est dans la terre, on est dans la salle de tout le monde, on est dans la salle de la terre. Quand l'examen, on est dans la salle de la porte, on est dans la salle de la porte, on est dans la salle de la porte, on est dans la salle de la porte. Parce que les gens qui ont étudié toutes les réponses. Là maintenant, mon père parle de nos classes. Qui a Timounio qui la donne. Et nous avons plusieurs Timoun. Et c'est dans l'école ça que nous allons parler tout à l'heure. Mon père parle un petit peu de classe ça. Parce que nous avons pile et boîte de. C'est-à-dire son classe qui beaucoup finit tout, vrai? Et qui est grade classe ça. Ça, c'est deux classes qu'il a. Je suis capable de donner, ça pour gagner deux professeurs là. Ok. Et je vais expliquer tout à l'heure. Et à cause éducation, c'est pas que j'ai un peu de valeur ici, c'est j'ai quelques années, nous commençons à découvrir l'importance de l'éducation. Et nous venons et faire des marches, nous venons au troisième cycle. Le troisième cycle, c'est pour l'étapulier, l'étape à gagner espace. Nous venons faire mon petit troisième cycle, première et septième année avec huitième année, venons là. Et mon responsable, c'est pasteur et il sait. Et c'est ça que fait, j'aime surtout là, nous avons Timoun Sarola. Et vous voyez que Timoun est très intelligent. Je ne vais pas le présenter comme nous qui est New York là. Il y en a eu, mais c'est deux, frère avec soeur, le petit frère au l'autre bourrato. Mademoiselle Zahar, plutôt c'est Madame Jeunet qui a parlé de lui. Et c'est en très peu de temps, il connaît Grinol, pas même en semaine. Ouais. Il connaît Grinol et en même temps, il est très attaché à l'école. Il part déjà mal à l'école. C'est dans aller chercher Timon, il ne va jamais à l'école dans la zone. Non. Il vient aller passer dans la nouvelle école, là, il vient de l'école. Lui-même, il est sous l'école. Frère, ça a tout, c'est monsieur sous l'école. Même seul mon problème. Depuis que je parle de Timon, je ne vais pas sous l'école. Et il me songe. Allez passer, m'obliger et
aider soit pour résoudre problème ça. Mais qu'on y a, il améliore sur ça, il commence à prendre conscience de situation. C'est ces jeunes moyens là capable d'apprendre bien. Tout petit monde ici gueule. Mm-hmm. C'est petit monde qui extrêmement intelligent, bon monde qui a fait l'école l'année passée, qui a fait l'école de l'autre côté. Mm-hmm. Il fait différence entre petit monde ça avec petit monde que gueule. OK. Petit monde ça il est plus ouvert, il est plus éveillé et il cap il met plus rendement. OK. Que côté là. C'est juste pour me faire un résumé en même temps comme dit pasteur Iris et merci il y a un monde qui est intéressé à la communauté qui veut développer li et qui monde garde ça lui-même peut-être il pas dit ça et nous qu'on a dit tout lui-même son héros pour rester là. Alors m'a dit merci à nous tous qui a gardé émission ça, merci surtout à tout le monde qui a quitté le touché par parole qui sont dit là. Par Timon qui saute ouais là. Quitte ce Timon qui est dans le 3e cycle, qui est dans le fondamental là, qui est dans le kindergarten. Et là, nous merci dans notre. C'est des Timon qui sont en difficulté, difficulté économique. C'est des Timon qui paient l'école là, c'est pour les parents, c'est un gros problème. Parce que il y a un problème, pas, mais il y a un problème dans le sens ça, où tout le Timon n'est pas venu à l'école encore. Et qu'on y a son crête, son peur. Pour ne pas perdre Timon Sao. Il y a des Timon qui là, nous te présenté, ils ne partent jamais à l'école, c'est dans la merde. Et puis c'est fille que lié. C'est nous qui commençons à ramasser Timon Sao, faire venir l'école pour être capable de venir utile tête de messieurs. C'est peut-être ça, je fais appel à la générosité, les gens qui te cœur touché, ça sont capables de bailler, puis de bailler. Et comme nous baillons là, nous gérons bien. N'a bien rapport régulièrement et c'est Pénesté qui est responsable et j'en fais là avec les amis fidèles de mon fort. Me dit yo $500 voyez chaque mois mais qui ça qu'elle fait et tout comme ça on investi non construction. Nous a dit merci tout à technicien télé pain vivant qui apprend possible transport image ça directement la caille. N'a dit merci à frère Guigui qui a accepté vini ouais garde saline. Nous avons dit merci encore à frère nous zamino Pénesli connaît qui des fois a sensibilisé pour nous comment on peut porter projet ça continuer porter parce que il y a bien surprise et pour nous comprendre projet ça puis bien m'ta remet nous aller sur site internet songay.org côté m'était formé en Afrique pour nous voir ça qu'a pas le fait là et ça qu'a pas le fait ici a puis plus et puis grand que son gars accepté ça le ouais projet le ouais programme développement qui gagne ici là. Pour nous finir n'a dit nous a bien 8 composantes dans ça, a bien agriculture, a bien santé, a bien pêche, a bon l'école la mer, a bien sport avec loisirs, a bien mécanique, a bien agro-civiculture, côté paix mon fortin yo, dans tout pays a décidé, dans 450 ans, yo gen dans pays a année ça, planter 1 150 000 pieds bois dans 10 diocèses pays d'Haïti, côté tout mon fortin yo te travail. On l'autre fois encore, m'dis nous merci, et m'a quitté nous avec parole la Bible ça, qui donne aux pauvres, prête à Dieu, et nous met investi. Dans Timon Sao, je connais que demain, gena on a besoin comme docteur, comme ingénieur, comme avocat, comme monde qui a une profession libérale et manuelle, parce que en pile dans Timon Sao, il reconnaît, il a une capacité intellectuelle, mais seulement il a une difficulté économique. On leur fait encore merci. Alors, Fama Chemio, c'est Jacques Mdedi Noa que Radio Télé Pays Vivant arrive dans Fort Liberté en dans Gad Saline, surtout pour Timoun Sayo qui besoin d'aide dans l'école là et pour le projet qui gagne pour avancement Timoun Sayo. Et nous entendons comment ça vraiment difficile pour Timoun payer l'école li par année. Et des fois, Timoun Sayo, même manger, il n'est pas capable de manger. Et professeur pas vraiment payé
pour ta capable camper avec Timon yo. Et nous connaît Timon yo, c'est l'avenir pays ya, l'avenir monde là. Et Jésus dit nous tout dans l'évangile là, si nous voulons rentrer la caille papa, c'est pour nous faire nous tant que Timon petit yo. C'est-à-dire que Timon ça yo, nous est déjà si nous pas camper avec yo, situation capable venir plus mal demain, surtout dans pays nous pour gens que nous bagaille a déroulé. Alors ça n'a dit et le révérend père Étienne, merci, lui même qui prend chaise ça, et n'a dit pasteur Hérissé, merci, yo même qui mettait ensemble. Ouais, bagaille là, on pasteur, yo prête mettait ensemble pour avancement jeune yo. Alors bravo, nous bat bravo pour bon Dieu dans la vie père et dans la vie pasteur et dans tout mon fortin yo qui décidé pour travailler ça avancer. Et nous battons gros toto bravo pour le révérend père Nesni Jean-Jacques, nek pam, zami pam, papa pam, responsable moi dans Long Island. Et n'a dit Rigo merci tout qui a accepté de fonctionner avec nous, marcher avec nous dans toute folie liberté et même river dans garde et saline. Alors mon père, comme pour dernier mot pour nous capable prendre fin avec parti ça yo, si gen moun qui voulait porter aide yo, et comment est capable, qui est capable de joindre pour porter aide pour aider ti moun sa yo, aider l'école ça avance. C'est simple pour nous capable aider ti moun yo et capable passer par Penisli. Oui, nous capable passer par Penisli dans Westbury et les même li a orienté nous vers moun pour nous passer et de même nous capable passer par Rose Dieu Dieuveuil qui responsable et les amis fidèles de Montfort. J'aime dire nous chaque mois yo voye $500 et nous capable passer tout par télévision, par télévision par télé pain vivant et Jean et Frère Guigui so dit là en Haïti nous capable passer par Père Montfort mais nous capable passer tout et par pasteur et Hérissé, il est ça contact qui a établi et pour que ça soit capable de faire. Mais les gens qui avaient contacté nous personnellement, ils ont capable de contacter nous, pas pour recevoir comme, pas pour recevoir comme directement, non, mais qui que ce soit. Et à l'étranger, ça ne va pas passer par intermédiaire. Pendant que c'est capable de parler nous, qui est qui en face nous. Nous capable de contacter par WhatsApp 44 05 26 36 pour information et pas pour affaire recevoir l'argent. Vous êtes capable de donner le numéro encore, mon père? 44 05 26 36. C'est le numéro le révérend Père Étienne pour ceux qui ont besoin d'informations, ou besoin de certifier de travail. Ce n'est pas un travail en vain. Vous êtes capable de contacter le père pour capable parler avec surtout par WhatsApp. Là. Mais nous, le pasteur, nous avons un petit mot pour nous capable de prendre fin avec la vidéo. Ça, pendant déjà, nous disons merci et nous croyons que vous-même qui prend. Eh bien, toute formation ça yo, on mettez en pratique pour capable aider l'école ça, aider Gat Saline, côté gen ti moun, c'est nan rage, yal prend yo pour faire venir l'école, côté gen ti moun pour venir l'école, des fois pa gen bagage maintenant pied yo, yo pa gen manger pour manger après l'école là. On croit que sous pense avec moment ça yo, ou attendre Jésus te vini pour moun qui besoin yo et ti moun ça yo besoin pour capable avancer l'école. Et comme projet télé pain vivant surtout, moi saute wè yo et me dit yo monde qui prenait la classe yo n'a pas kembe jusqu'à ce que vous arrivez dans filo même. Alors son bel projet à nous côté pasteur qui va parler avec nous pour quelques secondes pour capable prendre. Merci. Merci déjà, nous voulons remercier tout le monde qui est intéressé dans gros investissements si là. On veut dire investir dans monde c'est investir dans l'avenir. Donc vous même qui t'a d'accord pour que vous portez contribution à gros projet si là, c'est que ou d'accord pour que ou contribuer dans la transformation communauté ou d'accord pour que vous contribuez dans l'avenir Timounio. Nous voulons dire un gros merci avec Radio Télé Père Vivant et bon travail que le Seigneur est capable de bénir. Amen, amen, bye bye. Kembe Balagé, à la prochaine. Nous saluons tout le monde dans Gat Saline et nous saluons tout le monde dans Fort Liberté. Cap coûte nous surtout dans Florida, Miami et tout partout dans le pays, tout dans Boston. Nous connaissons tout le monde et Fort Liberté dans la zone. Mais c'est dans Gat Saline nous qui est dans Fort Liberté. Alors nous disons merci, Kembe Balagé. N'attendons-nous aller pour pager le bail tout le monde pour capable poter coller pour l'école qui a fait construire et pour tout le monde capable en bonne et due forme apprendre et capable de jouer moyen tout pour manger avec parents et payer professeurs qui n'ont besoin de bonjour aide.
Merci, que me parle. Ciao, ciao.